Eh ben, dis donc, ça fait du bien de jouer quand même. Hein. Oh la vache. Bon, eh bien, c'est un exercice de style ce soir. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en direct live de l'espace Léonard de Vinci dans le club de jazz Maxime Sory. Oui, on est dans le club de jazz de papa, c'est ça. Et on a décidé, d'un commun accord, de garder cette soirée rituelle que l'on fait chaque année depuis... j'ai pas compté, en fait, mais ça fait très longtemps qu'on vient ici. Et c'est papa qui a commencé cette tradition de faire le bric-à-brac Big Band tous les ans. Et quand il nous a quittés, on s'est dit avec monsieur Marc Bernardin, patron de ces lieux, que on allait continuer à on allait garder ce rituel, voilà. Et donc cette année, évidemment, on n'a pas pu le faire parce que en général, on le fait fin février, et on n'a pas pu le faire. Et on s'est dit que on n'allait pas se laisser faire, on allait marquer le coup et on allait conserver cette soirée. Alors c'est vrai que c'était un peu soirée virtuelle. Vous êtes chez vous et nous, on est là. Alors, c'est une manière, ça a le mérite d'exister, on va le faire, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que le public, on a trop besoin de vous, ça c'est clair. Ça, l'énergie nous manque bien et cette année, donc, tout le monde n'a pas répondu à l'invitation parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à organiser parce que c'est vrai que ce genre de captation nécessite pas mal de matériel, n'est-ce pas, monsieur Bruno Minizimix, qui est venu nous donner un coup de main ? Ouais, bravo. Ouais, bravo. Parce que, évidemment, ce genre de live n'est pas possible sans matos. Alors, on aurait pu le faire à travers un téléphone ou l'ordi, mais non. Monsieur Eric aussi est venu nous aider à faire concrétiser ce projet. Et donc autour de moi, j'ai réuni un peu les fidèles de cette soirée et aussi les musiciens de papa. Alors je vais commencer par ma gauche pour une fois. Et on a monsieur Fred Couder au saxophone divers et variés. Bravo. Alors, monsieur Claude Egea à la trompette. Peut faire le tour de tout le monde. Monsieur François Biensan. Ah. Philippe Dourneau à la clarinette. Monsieur. Philippe Milanta au piano. Bruno Rousselet à la contrebasse. Évidemment, des gens qui comptent, des musiciens, des personnes, des êtres humains qui comptent énormément pour moi, car c'est avec eux que j'ai commencé, parce que je les écoute depuis que je suis née, je pense. Alors, nous avons Patrick Bacqueville au trombone. Pierre Kellner qui nous rejoindra, évidemment, pour quelques morceaux au piano. Et aussi quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, en bien et en mauvais. Mais c'est ça qui est bien. Michel Denis. Et donc, nous avons commencé par le Sea Jam Blues. En fait, on commence toujours par ce morceau. C'est pour mettre tout le monde d'accord et présenter un peu tout le monde. On va continuer avec Sweet Georgia Brown. Alors, on va changer un peu la géométrie de l'orchestre. Et pour cela, on va garder Claude Egea, Fred Couder, Philippe Milanta, Bruno Rousselet. Et c'est vrai qu'on a choisi cette disposition pour faire comme une répétition, parce que de toute manière, il n'y a pas de public. Alors, on n'allait pas se mettre en condition. Si, mais ils sont muets. Hein ? Si, mais ils sont muets. Fred Couder, excusez-le, tu ne parleras plus jusqu'à la fin de cette session. Donc, Sweet Georgia Brown. Mmh.
Sweet Georgia Brown, c'est un arrangement qui se trouve sur l'album que j'ai enregistré avec certains musiciens qui nous entourent. Un album que nous avons sorti il y a 3-4 ans maintenant. Voilà. Donc on avait fait cet arrangement sur Sweet Georgia Brown, qui a été un des premiers morceaux que j'ai joué en jam. Et voilà. Donc c'est important de le jouer. Et que dire d'autre ? Oui, sur ce petit bric-à-brac big band qui était l'idée de Maxime au départ, c'était de rassembler le plus de monde possible pour une jam organisée le mieux possible. Alors, parfois ça ne marchait pas. Hein. Mais c'est ça le propre de la jam. Moi, ce qui est intéressant, j'adore, c'est que parfois ça marche, puis parfois ça ne marche pas. Et ce n'est pas très grave, en fait. On va continuer avec un très joli thème. When it's sleepy time down south. Je l'ai bien dit. Et on va garder Monsieur Claude Egea et on va appeler Monsieur Patrick Bacqueville et on va garder Philippe Milanta.
J'aime beaucoup ce thème. Et nous allons un peu changer d'équipe, là, et donc je vais appeler pour me remplacer, déjà, Monsieur Michel Denis. Mais si, tu viens ici, parce que je te le demande, et c'est maintenant. Mince alors, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Et on va appeler Pierre Kellner aussi, au piano. Merci beaucoup. François Vincent va rester. Patrick Bacqueville pour un... Alors, c'était ça le principe de cette soirée. C'est moi qui décide du tempo. Donc le principe, c'était de changer d'équipe. Hein, t'es d'accord? Oh, oui. D'ailleurs, on s'amusait bien à chaque fois. Un vieillard contre un vieillard, c'est bon. Bon, d'accord. Bon, je vous laisse gérer le bazar, alors. Hein. One, two, one, two, three, four.
vous pouvez rester le deuxième morceau, monsieur. Tu es reçu. T'es reçu, au baccalauréat. Donc, on va appeler pour ce prochain morceau, Michel Denis a le droit de rester, donc. Pierre Kellner et François Biensant pour Our Love is Here to Stay. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce concert live nécessite pas mal de techniques et puis donc un certain coût, n'est-ce pas ? Et j'ai créé une cagnotte, ce qu'on appelle virtuelle. Donc je sais qu'il y a un lien qui va s'afficher où vous pouvez donner ce que vous voulez, de 1 euro à 5 millions. Voilà. Donc, sentez-vous libre de donner ce qui vous semble juste. Voilà. Et on va continuer. Donc, Our Love is Here to Stay. Thank you.
ça manque de jouer de la musique, mais ça manque aussi d'en écouter, et ça fait vraiment plaisir. Moi, je dis... Donc, il y a Fred Coudert donc, qui a rejoint cette petite session. Et on va garder, je crois, parce que j'ai pris mes notes, on va garder Michel Denis, encore une fois, parce qu'il s'est bien comporté. Hein. Voilà, pour un Some of These Days. Donc, vous avez remarqué qu'on navigue quand même beaucoup dans le répertoire de Maxime. Et c'est ce qu'on jouait en général dans ces soirées bric-à-brac. Donc, Some of These Days, c'est dur à dire, hein, n'est-ce pas, hein? Voilà. Et on va demander à monsieur Philippe Dourneau de nous rejoindre. François Biensant, Philippe Milanta. Et s'il y a quelqu'un qui veut aussi faire un solo, il est le bienvenu. Ah non, François Biensant a dit non. Alors, c'est non. Un truc comme ça? Je vous laisse gérer. One, two, one, two, three. Right.
Merci Michel Denis. Merci ma petite Julie, que j'ai connue comme ça, grande comme ça. Ben, elle a bien grandi, hein. Et... puis en bêtise aussi, vous savez. Bon, retournez à votre place, vous. Ça suffit. Attention. Hein. On va poursuivre ce répertoire fort sympathique avec Pierre Kellner et Patrick Bacqueville pour un Sweet Lorraine. Alors donc, on remercie encore Monsieur Marc Bernardin et l'espace Léonard de Vinci de nous avoir accueillis pour faire ce live. En plus, on est dans un système d'air renouvelé et purifié dans chaque pièce, donc on ne craint rien ici. Voilà, c'est ça. Et on garde nos distances, bien évidemment. Et puis, il y a des gens qui sont vaccinés, évidemment. Mais vivement le temps de se retrouver dans des endroits confinés pour jouer du jazz. Il faut, alors, Patrick Bacqueville va chanter, donc il faudrait que son micro fonctionne. Lucky one that will lead her down the aisle. Yes, each night I pray that no one will steal her heart away. I just can't wait until that lucky day when I'll marry sweet Lorraine. Oh, my sweet Lorraine. Yes, Francois, all right.
joining, I don't miss. Calls, it's and my baby smile. And to think that I'm a lucky one that will lead her down the Iowa road. Yes, it's not a prayer that no one will steal a hard way. I can't wait until that lucky day. Oh, when I'm married. Oh, when I'm married. Oh, when I'm married, sweet Lorraine. Super émouvant de jouer avec vous parce que c'est un peu avec vous que j'ai eu mes premières sensations d'orchestre et j'ai grandi avec vous, oui, avec vous. Tu as bien grandi. En vous écoutant à la Huchette, beaucoup quand même. Mais merci d'être là. Merci à toi. Ça me touche beaucoup. Et j'en profite évidemment pour faire un petit coucou à toute la famille, mes sœurs, mes nièces, tout le monde qui est très loin d'ici et qui a pas pu, qui n'ont pas pu venir nous rejoindre, parce qu'en général, c'est aussi un moment où tout le monde se retrouve. Donc on garde le contact à travers un ordinateur, mais bon, je vous embrasse très fort et vous êtes dans mon cœur et je pense très fort à vous. Et on va continuer avec un morceau. Alors, c'est une petite anecdote. C'est vrai que le répertoire de Maxime, de mon père, je l'ai écouté toute ma jeunesse. J'en suis très fière d'avoir cet héritage musical, mais il y a des morceaux qui me touchent encore beaucoup, puis il y a des morceaux que j'aime pas du tout. Mais j'aime bien jouer ceux-là aussi parce qu'en fait, ils font partie du répertoire et puis voilà, ça fait c'est comme ça. On ne joue pas toujours que les morceaux qu'on préfère, sinon ça serait trop facile. Alors ce prochain, c'est un que j'aime pas beaucoup, qui s'appelle Crazy Rhythm. Alors je ne peux pas vous dire pourquoi je ne l'aime pas celui-là, mais je ne sais pas, je ne l'aime pas, voilà. voilà, il y en a qui vont pas aimer, je sais pas, Sweet Georgia Brown, par exemple, ou Royal Garden Blues, mais voilà, moi c'est Crazy Rhythm. Je répare la tuyauterie. C'est le Charles, ça touche. Alors, c'est vrai que durant cette période difficile pour les artistes, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis en ligne une cagnotte virtuelle, un chapeau virtuel, comme on dit. Mais aussi, il y a une autre manière de soutenir les artistes, c'est aussi d'acheter les disques. Alors, bon, évidemment, je peux vous montrer le disque qu'on a fait en hommage à papa, mais chacun d'entre nous, ici, à une carrière, à des projets. Je sais que Philippe Milanta a sorti un disque cet été, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne vous demande pas de m'interrompre, s'il vous plaît. Et enfin, chacun sort ses projets, donc il vous suffit d'aller voir sur le net, parce que donc on a mis en place évidemment un système pour vendre les disques directement via les artistes ou certaines plateformes qui rémunèrent correctement les artistes. Je ne m'étalerai pas sur ce sujet. Monsieur Fred Couder aussi a des projets. François Biensan. Enfin. Donc allez checker les noms de tout le monde. Mais enfin, c'est un bon moyen de soutenir les artistes en attendant que cette crise se passe, donc encore une fois, merci d'être là, en ligne avec nous,
Et on va poursuivre avec ce morceau que je n'aime pas. Voilà. Ah bah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, mais toi, tu dis toujours le contraire de moi. Donc ça suffit. Thank you.
C'est fou, c'est fou, c'est fou. Un truc de, oui, oui, de malade. Et donc, c'est bah, ce moment online, comme on dit, hein, bah, touche à sa fin. Mais évidemment, on a quelques surprises, non pas surprises, mais encore quelques morceaux à jouer ensemble, parce que c'est quand même, ça manque quand même, cette convivialité. Donc, je vais représenter tous les musiciens qui ont répondu à cet appel, parce que c'est vrai que ce n'est pas un exercice facile. Enfin, ce n'est pas très agréable de jouer sans public. Mais bon, on est très contents d'être là quand même. Donc, je vais remercier encore une fois Michel Denis. Merci. De sa présence. Fred Coudert. Claude Egea. François Biensan, Philippe Dourneau, merci beaucoup, Philippe Milantin, Bruno Rousselet, mes compères de longue date, je dois avouer, parce que ça doit faire maintenant bien 20 ans qu'on se fréquente, et bien sûr Patrick Bacqueville. Ouh là là, c'est un défi pour Fred Coudert, ça. Gare. Car le Fred Coudert est joueur, il faut le savoir. Et bien sûr, Pierre Kellner. Merci. Merci beaucoup. Et tout ça n'aurait pas été possible, évidemment, sans la technique, parce que c'est pas avec un téléphone qu'on fait ça. Donc, Bruno Minizimix, au son. Et Eric, excuse-moi, ton nom de famille, je voudrais pas l'écorcher, alors je dis Eric. Voilà, merci beaucoup pour la captation vidéo. Et évidemment, merci mille fois à Marc Bernardin de nous recevoir. Je le redis, je crois qu'il y a un lien pour le chapeau virtuel. Et... Merci beaucoup. Merci. Oui, je m'appelle Julie Sory et nous sommes dans le club de jazz. Maxime Sory, évidemment, aussi, j'espère très vite la programmation reprendra dès que nous aurons l'autorisation. Que serait-ce une... Enfin, la soirée ne peut se passer sans, évidemment... un morceau que papa jouait à chaque fois. Et ce morceau, c'est Petite Fleur. Et j'ai choisi un arrangement de Patrice Caratini qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai écouté il y a quelques années maintenant. Et c'est celui-là qu'on va vous interpréter en gardant Fred Coudert et Claude Egea. Thank you.
Nous allons terminer cette séquence. Eh bien, je suis très heureuse de pouvoir annoncer un invité particulier, parce que c'est le petit-fils de Maxime. Donc, je crois que c'est mon fils. Oui, c'est mon fils. Ouais. Et on va accueillir Milo à la contrebasse. Eh oui. Et je te donne la partition parce que Milo a choisi de jouer en hommage à son grand-père dans les rues d'Antibes de Sidney Bechet. Donc, c'est ce qui va se passer maintenant. C'est bon ? Ok ? T'es bien ? Attends, attends. Que je te donne le tempo, c'est moi qui commande. Oh. Un truc comme ça. Hein? Quand je veux. Quand je veux. Non mais.
Il faut que ça cesse, cette situation. Merci beaucoup. Vous avez le lien pour le chapeau virtuel. Soutenir les artistes en achetant les disques. Merci beaucoup. Oui, la pub. À très bientôt. Merci à tous.